Et bonjour les amis, c'est Trif en compagnie de Quentin. Comment vas-tu Quentin? Bah salut à tous, ça va et toi Trif? Ça va, on se retrouve eh bien, pour le deck de la Saint-Patrick, hein, dont vous avez vu la vidéo hier. J'espère que vous êtes hypé par ce deck incroyable. Et donc on est là pour faire un petit BO en miroir avec Quentin. Let's go! Good luck, have fun. Good luck, have fun. Donc bien évidemment, vu le deck, on va être en premier. Ah, oups, j'ai mis ce clic. Oups, I did it again. Pardon. Allez. Invocation normale de Goblinberg. Le Goblinberg, let's go. Et activation de son effet. Yes. Afin d'invoquer la seule et l'unique. Non, la statue barrière. Just activated. Pourquoi je peux pas l'activer? Oh équiproquo là, chef. C'est pas grave. Je peux même pas activer... Tu peux activer Pau? Ouais. Je voulais activer Pau des désirs, mais... Bon, moi, je vais récupérer... Malheureusement... Une petite carte, hein, vous comprenez. Ouais. Je voulais pas activer ça, ce n'est pas grave. Oh, c'est gentil de ta part. Ouais, je vais... Voilà. Au moins, j'ai un monstre à 1400 de défense. Je voulais activer Daïa imprévu, le misclic. Ce n'est pas grave. Invocation normale. Non. Invocation spéciale. Ouais, ouais. Activé. Invocation spéciale. Qui c'est qu'on peut invoquer maintenant? Qui c'est? Ouais, non, on va battre le dard. Hein. Attaquer. Non. Mon Goblinberg. Eh oui. Ah, mais oui, mais je sais pourquoi je peux pas l'invoquer. Je suis un peu con. Ah. Ah, ça va pas continuer la battle. Bah, je ne peux pas apparemment, puisque j'ai encore des cartes en main, c'est vrai. C'est vrai que je ne peux pas attaquer avec Celtic Guard si j'ai des cartes en main. Aïe, aïe, aïe. Mais je ne voulais pas activer la carte que j'ai. Invocation de rescue. Oh non, le lapin. Just activated my rescue rabbit. Yes, le rescue rabbit. Qui invoque le Celtic Guardian et un autre Celtic Guardian. Guagua. Le Guagua. Petite référence. Allez, alors, que va nous faire le petit Quentinus? Justement, je réfléchis. Comme on dit dans notre milieu, on rêche les filles. Petite Isolde. Non. Non. On va faire mieux, quand même. Non. Et oui, puisque vous n'avez pas eu la restriction, donc vous pouvez partir sur le play, Utopie. Utopie. Battle. Attaque. Effet. Activation. Et ça me tue. Mais c'est prévu, c'est pour qu'on puisse faire un BO3 complet, tout simplement. C'est ça. Regarde, et puis je vais être gentil avec toi. Oh, la grenadine. Allez, donc... Bon. Voilà. Aïe. Allez. Commencez, monsieur. C'est vrai ? Moi, je vais juste activer Heritage of the Calice. Oui, vous pouvez Heritage of the Calice. C'est vrai? Je peux? Mais est-ce que vous acceptez que je fasse... Ah non, le dragon prévu! Ah bah, ça, bien sûr. Ce n'était pas prévu dans le contrat, monsieur. C'est vrai? Est-ce que ça, c'était prévu dans le contrat? Ah non, Goblinberg! Oh non!
Ça voulait faire un truc avec Goblinberg. Non. Ah, ça fait un Cowboy Gagaga. Activation du Cowboy Gagaga pour m'infliger des points de dommage. 800. Ah. Eh ouais. Faut bien faire des dégâts dans la vie. Hein. Alors. Oh là là. C'est tellement beau, mais. Bon, bah on va commencer par ça déjà. Hein, oh, un bouc émissaire. Oui, et même quatre boucs émissaires. Non, que vais-je faire par tant de puissance? N'oublie pas qu'ils ne peuvent pas être sacrifiés. Oui, et je ne peux pas invoquer non plus. Non. Au moins, t'as une belle défense. Oui. Oh. Un monstre face cachée. Ouais. Non. Ça a frappé mes boucs. Ça a pas peur, ça, hein, de mettre un monstre. Attendez, attendez ça, monsieur. De quoi? Une statue barrière, là. Ah. Il y a un troisième monstre, surtout. Ça fait potentiellement trois boucs émissaires en moins. Bah, c'est ce qui va se passer, hein. Ah non, oh, je suis gentil, je veux laisser le bleu. Ah, si le bleu reste, alors tout va bien. Parce que la couleur du bleu, c'est celle qui peut se rapprocher le plus du vert. Ah, techniquement, c'est la vérité. Ah, il y a le jaune aussi, hein. Ouais, mais le bleu peut se rapprocher beaucoup plus facilement. Ça fait galant d'alerte. Oh là là, mais que va-t-il faire? Il va chercher Nibiru. Ah bah non. Ça va chercher une statue barrière. Aïe, aïe, aïe. Comme si j'en avais pas assez en main. You just activated my trap card. Allez, invocation normale. Non! Effet. Non! Et Enchain. Effet. Non! Et si? Ha ha ha! Allure. Qui est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah, en vrai. Je vais faire un move du turfu. Incroyable. Invocation flip. Non. Et oui. Car je vais maintenant invoquer le grand et tout puissant, que devais-je dire, la grande et toute puissante Isolde. Et activer l'effet. Je suis stupéfait. Ah, surtout péfé, ouais. On va récupérer Gactos. Encore ? Ouais. Activez l'effet de Isolde. Vous pouvez. Donc, hop. Ensuite, ça, ça et ça. Et j'invoque le seul et l'unique gardien celte. Non ! Vous ne m'arrêterez jamais. Jamais, disait-il. Exact. Hop, hop, et hop, et hop. Saryuja. Eh oui, Saryuja. Ah là, on est bien. Ça, ça. Et ça. Dans l'ordre suivant. Ensuite, ça va activer la magie fu. Oui, une magique. Non. Et si j'invoque l'arc divin.
que je vais équiper à mon gardien celte. Non. Eh bien si. Et il va être équipé d'une autre carte. Non. Eh bien si. Mais si je m'arrêtais que là, ce serait trop simple. Monster Reborn. Eh oui. Eh oui, Jamy. Je vais réinvoquer le gardien celte recyclé. Effet. C'est pas très recyclé tout ça. Battle phase. Oh. Je vais attaquer ce monstre. Non, mon galon de granit. Ton galon de granit pétillera sous le fer. Allez. Ensuite, on va attaquer ton cowboy Gagaga. Mais mon cowboy. Et maintenant, j'attaque directement tes points de vie. Bah, vous pouvez. Main phase 2. Aïe, aïe, aïe. Main phase 2. Aïe, aïe, aïe. Je vais faire Utopie Kit, ouais. Oula. Eh bien, apparemment, ça a peur ici. Eh bien, c'est pas que j'ai peur. Je vais invoquer Goblinberg. Activer l'effet de Goblinberg. Ouais. Non. Je veux pas chaîne. Et j'invoque un deuxième gardien celte recyclé. Non. Eh bien, si. Et je vais activer Brigandine. Non. Bah si. Je vais invoquer spécialement un monstre ou deux. Incroyable. Ouais. Hop. Un petit monstre assez sympathique. Hein. Gandiva qui a négate une invocation, c'est toujours sympa. Spécial. Oui, exactement. Ok, bah je vais passer en battle. On va attaquer. Non. Ha ha ha. Ma statue. Ah, tu es tombé dans mon piège. Just activated my... Je vous avais oublié l'arc de la divinité. Ouais, c'était fait exprès. Et fait, je vais pouvoir piocher 3 cartes. Non. Et on va attaquer avec Gandiva. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Hey, hey, hey. Quel dommage. Oh, mais par contre, vous êtes bien mignons, les statues barrières, mais vous aimez bien me tenir la main. Allez. Invocation normale. Effet. Ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir. Invocation spéciale. Ouh. Activation de l'effet. Ouh. Invocation spéciale. Activation effet. De l'effet. Invocation spéciale. Spéciale. Pas activation de l'effet. Alors. C'est de toute beauté de voir tout ça. Et oui. Et oui, Jamy. C'est comme ça qu'on fait des flés au TK. Oui, bah, sauf quand on est en go-go first, mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre détail. On va invoquer Gandiva. Non. Et on va équiper à Gandiva un petit bouclier. Oh, je comprends pas pourquoi tu voulais pas l'équiper un de mes monstres. Ouais, non. Bah tant qu'il reste en position d'attaque, Gandiva va gagner une attaque égale à sa défense d'origine. Donc il passe à 3009. Qu'est-ce que je fais avec cette main?
Bah, tu peux invoquer statue barrière, au pire. Ah, tu veux invoquer spécialement ? Oui, je peux. Ouais, je vais te le laisser. C'est marrant, ça, dit donc, comme main. Ça norme Gactos. Ah oui, ça norme Gactos carrément. C'est... Ça respecte même pas Gactos. Ah non, ça va invoquer. Ah, tu veux l'équiper à mon monstre. Ouais, mais non. J'ai pas envie de ton équipement là, non. Non. Just activated my magic card. Ah non. Ah ah, tu es tombé dans mon piège. Oh non, j'ai mis. Je n'avais pas pu penser à ce genre de coup, ce genre de filouterie. Ah. Par contre, le jeu, t'es bien gentil, mais laisse-moi faire mon invocation spéciale. Non. Ah non. Ah ah, just activated my Utopia double. Non, Utopia double. Double Utopia. Just... Heureusement qu'il me restera 900 points de vie. Bah si, il me restera 900 points de vie. Ah. D'accord. On se demande bien ce que c'est qui est posé là-bas. Ou peut-être autre chose. Hein. Invocation normale. Ouais. Activation de mon lapin synchronique. Non, Rescue Rabbit. Oui, c'est presque lapin synchronique. Non. Il aurait marqué synthoniseur dans ces cas-là, mais... C'est vrai. Là, il va vraiment falloir que je parte là-dessus. Oui. Ah, c'est marrant, ça. Activer l'effet. Non. Bah si, hein. Non. Bah si, hein. Utopie. Eh bien, oui. Bon, bah... Battle, hein. Non. Attaque. Non, je te laisse utiliser ton propre matos. Gentil. Allez, activation de l'effet. Attaquer. C'est gentil de redoubler mon attaque. Oui. C'est pas très nice, ça. Par contre, on va faire ça. Ouais. Au revoir. Ah, t'as vraiment cru que j'allais te laisser taper à 20 000. Oui. Mais, et puis pas encore. Allez, frappe. Effet. T'as un draw 1. Ouais, et c'est une draw incroyable. Non. C'est vraiment une draw incredible puisque je vais poser une carte. Oh. Ben c'est marrant, dis donc, ça comme main. Ouais, un petit deck contrôle, un peu OTK, tout ça. C'est pas très nice, ça. Tu crois vraiment que je vais te laisser te suicider, toi? Mais t'es pas gentil. Non, le suicide est interdit chez moi. Oh. Pas très drôle, ça. Non, mais ce qui est drôle, c'est surtout de piocher une rota. Pour aller chercher... Aïe, aïe, aïe. Pour aller chercher le gardien celte. Le valier noble. Aïe, 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 aïe. De l'invoquer normalement. Et qui dit invocation normale, dit que je peux l'équiper du bouclier. Et donc, battre le dard. Je vais attaquer ton monstre. Non.
Eh bien, si. Si, si, si. Et fait. Et maintenant, tu es fini. Aïe, aïe, aïe. T'es là, rat. Ouais, ouais, qu'est-ce que vous voulez. On a pas plus cette voilà, chance. Voilà, voilà. En tout cas, les amis, voilà le deck en action. Ce deck incroyable. On se retrouve très prochainement. On se dit bonne journée. Ciao. Est-ce que t'as un mot de la fin, Mister Roi? Incroyable. Exact, c'était un deck incroyable. Ciao.